me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit les mots d'amour, les mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Cette vision de la fête de la paix, c'est à la fois local et c'est international. Ça se passe partout dans le monde aujourd'hui, dans plein d'endroits, des milliers d'endroits dans le monde. Donc déjà, d'ailleurs, ça avait commencé à Vertou, où se trouve, il y a Gilles, il y a Pascal qui sont là. Et donc, il y a donc 3 semaines, je crois, c'est ça, je pense. Et puis, il y a eu Montpellier le week-end dernier, donc, sont là, de Montpellier. Ça se passe en région parisienne en ce moment, ça va se passer dans le Berry fin octobre, et ça se passe dans plein d'autres endroits aussi. Donc, une chose qu'on voulait annoncer ici officiellement, c'était la création de l'association des Fêtes de la Paix, donc, qui a été créée, qui est basée à Villecomtal-sur-Arros, et ça aussi c'est dans le but de vraiment s'ancrer ici, que demain peut-être il y ait plusieurs villages. Notre vision, c'est la fête de la musique en fait, tous les 21 juin ça se passe partout. Et vraiment, maintenant, on peut le dire, ça se passe partout. Et il n'y a pas de raison que tous les 21 septembre, la fête de la paix ne se passe pas partout. Voilà. Bon, écoutez, donc je vous souhaite d'abord, vous avez certainement tous beaucoup travaillé, donc j'espère que vous serez bien récompensés de tout le travail que vous avez fourni. Et je vous souhaite donc un bon début de fête. Bonne matinée. Je m'appelle Jean-Louis, je m'appelle aussi Philippe Flop quand je fais le clown. Je suis très heureux de vous parler. Et voilà, je suis ici pour un festival de la paix. J'en ai fait plusieurs cet été avec beaucoup de bonheur. Voilà, c'est notre modeste contribution à une culture, au développement d'une culture de paix dans notre pays et dans tous les pays. Merci de votre attention. J'ai chanté donc pas mal de reprises plutôt et une de mes compos, voire deux. Donc voilà, bon, là, ça va être une chanson d'un groupe qui s'appelle Arctic Monkeys et c'est Love is the Legs of Quest. Efficiency that only you can harness. And do you still think I love?
heart, I can't find anywhere to hide. And when I'm hanging by the razor on my eyes, and I convince myself I need another, well, it gets easier to pretend that you were just somebody. When I'm cramped in sleepers and a rocking chair, singing breathful songs of our summer, while I found a better method of pretending you were just some other. Bonjour, je suis Bernard, je viens du côté de Montpellier, au sud de la France, et j'ai été invité à une manifestation internationale sur la fête de la paix, et c'est quelque chose qui me parle beaucoup et dont je ressens le besoin de partager avec des gens où on peut échanger d'un cœur à un autre, sans concept, sans préjugés, sans rien du tout, juste être bien ensemble. Et puis la paix, c'est quelque chose de simple, pas d'intellectuel. Et ça me plaît beaucoup. J'ai appris de la terre à être fière, sans être orgueilleuse. J'ai appris d'elle à fixer la cible partout, pour ne pas me conduire en solitaire. Nous sommes sur le point d'aller au Cameroun faire un puits dans le village de Sondjok au Cameroun, un village de 1500 habitants. Donc ce qui fait que bon, ça va aider aux enfants qui ont toujours les dos courbés, mal à la tête. Ils font des kilomètres et des kilomètres pour pouvoir avoir un peu d'eau potable. Donc c'est le but de notre association, aider ceux qui sont restés derrière. C'est mettre à l'honneur chacun d'entre nous qui s'engage pour la paix. Vraiment chacun d'entre nous. Et aussi chaque petit geste qu'on fait pour la paix, chaque petit pas qu'on fait vers la paix. Parce que souvent on se dit, oh bon, j'ai fait ça, mais on ne se rend pas tellement compte de la valeur. Chaque petit geste compte, vraiment. Voilà, et c'est vrai qu'il n'y a que nous qui pourrons le faire. Hein. C'est personne d'autre qui va le faire, c'est pas le voisin, c'est nous. Voilà, qui pourront choisir la paix et la solidarité dans notre vie. Je m'appelle Silas et j'aime le clown. Cette idée de la paix à un niveau mondial est un message d'espoir, beaucoup, pour réussir ensemble. Un voyage de 1000 km commence par un pas. Et là, à chaud, j'ai le sentiment que le mot paix n'est pas suffisamment important dans notre quotidien. Et nous devrions y penser un peu plus souvent, le partager surtout.
Merci, Philippe. Merci.